Vous avez certainement entendu la conférence de presse du président français Nicolas Sarkozy. On lui a posé des questions sur votre pays. Il a essayé de répondre en disant que, en tant que l'ancienne puissance coloniale, la France ne doit pas toujours s'exprimer parce que, en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que ça pourrait créer des amalgames et on pourrait interpréter autrement, disons, les prises de position de la France. Et quelle est votre réaction au propos du président français sur la Tunisie? Le président français ment et vraiment il veut tromper les gens, mais les gens ne sont pas si faciles à tromper. Il a voulu dire que on ne doit pas se prononcer sur les affaires intérieures tunisiennes, alors qu'il s'agit d'une révolution où le peuple s'est réapproprié sa souveraineté. Et cet événement que le monde entier a salué, que le peuple entier s'est approprié, comment se fait-il qu'un gouvernement, n'importe quel gouvernement, ne salue pas l'accession d'un peuple à sa souveraineté? En disant cela, Sarkozy se démasque. Il signifie par là qu'il est encore du côté de l'ancien régime qui détient encore le pouvoir. Je ne sais pas si vous l'avez bien écouté. À un certain moment, il avait dit, nous allons soutenir le gouvernement légitime. Ça veut dire le gouvernement légitime, c'est-à-dire le gouvernement au pouvoir, c'est-à-dire l'ancien régime qui détient encore effectivement les rênes des choses. Donc, eh bien, Sarkozy, il s'est démasqué aujourd'hui en apportant encore une fois son soutien à l'ancien régime contre la révolution qui va continuer et qui va, j'espère, bientôt être victorieuse en balayant les restes de l'ancien pouvoir.